Le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame Delphine Batteau, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Elle n'est pas là et je le regrette. Madame la ministre, l'Indre fait partie des 10 départements du Centre sinistrés au plan ferroviaire. Dans ce domaine, le POLT, Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, constitue notre seul moyen actuel, mais sa fiabilité, sa vitesse et son confort ressemblent à celles et celui des années 60. Il est aussi notre seule raison d'espérer bénéficier d'une liaison confortable et rapide entre Paris et Toulouse et ainsi être connecté au réseau LGV national et européen. Sa rénovation et sa connexion à la future LGV POC, Paris-Orléans, Clermont-Lyon, sont pour nous essentielles. L'exigence légitime de la Haute-Vienne d'atteindre Paris en 2 heures sera ainsi respectée et nous pourrons, du Lot au sud, au Cher au nord, proposer à nos habitants et à nos entreprises des temps de parcours et un confort digne de notre époque. Malheureusement, une partie des élus de la Haute-Vienne ont imaginé, avec les élus de la Vienne, un échappatoire vers Poitiers, et de cela est né le projet LGV Monovoie, Limoges-Poitiers, avec en échange la participation du Limousin au financement du segment LGV manquant entre Poitiers et Bordeaux. Ce projet est tellement fragile en termes de prévision d'activité que vous avez imaginé fausser le débat public en asséchant arbitrairement le POLT pour rendre plus crédible Limoges-Poitiers. Le courrier émanant du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, mendiant l'accord des élus financeurs pour cette manœuvre de détournement, est cynique, injuste et totalement déplacé. Ces procédés sont contraires aux règles de la République. Où est l'exigence d'aménagement équitable du territoire ? Où est le respect de l'intérêt public ? Où est le respect de l'environnement ? Où est le respect de la bonne utilisation de l'argent public ? Dans l'arborescence LGV nationale, le Limoges-Poitiers, monovoie, est une brindille, mais cette brindille coûte entre 1,5 milliard et 3 milliards d'euros au moment de sa réalisation. Dans le cadre des contraintes budgétaires et du respect de l'environnement qui sont les nôtres, la rénovation du POLT et sa connexion au POCL satisfont parfaitement aux directives gouvernementales, ce qui n'est pas du tout le cas du projet de détournement par Poitiers. Moins coûteux, plus équitable, techniquement et commercialement plus productif, voilà les critères qui doivent être la priorité des élus et du gouvernement. Les départements concernés attendent le maintien d'un axe POLT rénové et connecté au POCL, ce qui impliquera le non-détournement de sa clientèle géographiquement naturelle. Nous comptons sur vous ainsi que sur le gouvernement. Merci. Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je voudrais bien excuser l'absence de madame Batteau qui accompagne le Premier ministre dans un voyage officiel au Canada. Vous évoquez ici d'une part deux projets de LGV, la LGV Poitiers-Limoges et la LGV Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon, dite POLC. Et d'autre part, la ligne actuelle Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, dite POLT. L'ensemble de ces questions fait l'objet d'une attention particulière du gouvernement, étant donné leur importance en termes d'aménagement et de développement de nos territoires. Le projet de LGV Poitiers-Limoges est actuellement en phase préalable à l'enquête publique. Il s'agit d'une étape importante qui nécessite que les collectivités territoriales cofinanceuse soit étroitement associée à l'élaboration du dossier qui sera présenté au public. C'est la raison pour laquelle les hypothèses concernant les différentes possibilités de desserte, tenant compte des nouveaux services permis par la LGV, ont fait l'objet d'échanges entre l'État, RFF et les collectivités territoriales. L'enquête publique est une phase d'échange démocratique visant à recueillir les expressions de l'ensemble des acteurs à l'issue de laquelle le projet peut être amené à évoluer. Les hypothèses de desserte présentées dans le dossier d'enquête sur l'avenir des dessertes de la ligne POLT sont une base de travail permettant d'éclairer le débat à venir. Elles ne préjugent pas des circulations sur cette ligne qui relèvent de la convention conclue entre l'État et la SNCF portant sur l'exploitation de l'ensemble des trains d'équilibre du territoire. La LGV POLC vient quant à elle
de faire l'objet d'un débat public achevé depuis 2012 et une nouvelle phase d'étude vient d'être engagée. Il s'agira de définir les conditions de la faisabilité financière du projet, d'approfondir son évaluation socio-économique et de préciser les performances des dessertes envisageables. La commission Mobilité 21 est chargée d'examiner les différents projets d'infrastructures de transport, dont ces deux LGV, et de proposer les orientations pour une politique de transport soutenable. Les conclusions de cette commission sont attendues d'ici la fin du mois de juin. À notre sens, les LGV et la ligne existante ne doivent pas être considérées comme des infrastructures en concurrence, mais complémentaires. Il n'est en effet pas question d'opposer les infrastructures qui n'assurent pas les mêmes services. La ligne POLT devra ainsi continuer à assurer une desserte fine des territoires situés sur cet axe nord-sud essentiel à l'aménagement de notre pays. Ces différentes démarches sont engagées dans une approche responsable et sont nécessaires en préalable pour permettre d'éclairer les décisions à prendre pour l'avenir de notre réseau ferroviaire et l'aménagement de nos territoires.